세계는 넓고 맛있는 것은 참 많은데요. 유럽의 왕실이나 귀족들만 먹을 수 있었던 최고급 요리 재료인 세계 3대 진미에 대해서 들어보셨나요? 조금만 먹어도 뜨거운 밤을 보낼 수 있다는 사랑의 묘약, 200년 이상 살아가는 철갑상어의 알로 만든 캐비어, 5,000km를 쉬지 않고 날아가기 위해서 엄청난 양분을 가슴에 품은 거위의 간을 요리한 최고의 스태미너 재료 푸아그라, 어디서 어떻게 자랐는지 알 수 없는 미스테리한 버섯, 돼지가 냄새만 맡고도 발정이 나는 것을 본 로마 사람들은 이 신비한 버섯을 체험제로도 사용했다는 서양 성노버섯 트러플, 이렇게 세 가지를 꼽고 있는데요. 라트루프, 1kg에 수백만 원이나 해서 검은 다이아몬드라 불리는 프랑스산 트러플을 파리 삼촌이 프랑스 남부의 트러플 생산자를 만나고 그들만 먹는다는 조금 특별한 트러플 요리에 대해서도 알아보겠습니다. 안녕하세요, 파리 삼촌입니다. 저는 지금 트리플을 판매하는 막시에 왔는데, 판매하는 시장이죠. 지금 여기 앞에 보이시는 게 트리플을 찾는 사람과 또 강아지를 이렇게 조각해서 낸 모습을 보이고요. 지금 이제 제가 8시 반에 도착해서 한 20분 정도 지났는데 이렇게 사람들이 모여서 트리플을 검사를 하고 있습니다. 예. Excusez-moi, vous dérangez ? Oui, je vous en prie. Bonjour. Je peux poser une question ? Vous êtes en train de contrôler le truffe, c'est ça ? Oui. Quel est l'objectif que... Le premier, c'est s'assurer que c'est bien de la truffe mélanosporum. D'accord. Truffe dite du Périgord. Oui. Premier objectif. Et ensuite, s'assurer de la qualité. S'assurer de la qualité pour les clients. Pour les clients, voilà. Qu'elle ne soit pas gelée, qu'elle ne soit pas molle, qu'elle soit fraîche. La variété. Et qu'elle soit, et qu'elle soit aromatique. Aromatique. Pour la continuité, la crédibilité dans le marché, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Waouh ! Les arômes sont différents suivant les terroirs, suivant les moments. Voilà, il faut... Faut même si elle est belle, mais qu'elle ne soit pas... Ça, voilà, il faut que l'on voit les veines. Ah, d'accord. Il faut que l'on voit les veines, qu'elles soient noires, comme ça. Et vous voyez, là... Ça, c'est un peu de couleur différente. Ça a peut-être pris le gel. Ah, gel. Okay. Voilà, donc ça peut être bon, mais c'est bon. Là, vous voyez, bon, on a une belle fermeté. Alors, elle n'est pas dure. Si elle est dure, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit dure. Il faut qu'il y ait une certaine souplesse, mais pas trop. Donc là, vous voyez, on a un peu de souplesse. Ah, d'accord. Il y a de mauvaises qualités. Vous pouvez montrer de mauvaises qualités comme tout. C'est différent de souplesse. Voilà. Dans la soupe, voilà. C'est un peu mou, mais c'est surtout la couleur. Ça, c'est, voilà. C'est plus mou. Il y a un défaut. Ça a été gelé, le froid. Voilà. Okay. Ça, c'est dans ce cas-là, vous maquez quelque chose. Non, on les met de côté. On les met de côté, on les rend. Et on les rend à la fin du marché au plus cher. 이 트러플의 가격이 워낙 비싸니까 생산자들이 더 많이 팔 욕심으로 냉동을 하거나 조금 상태가 좋지 않은 것을 가져오게 되는데요. 검사관들이 하나하나 검사해서 걸러내고 있어서 믿음이 좀 가는 것 같네요. 검사가 끝난 트러플들은 보시는 자료에 담아서 봉인을 하게 되고 종소리가 울리는 몇 시에 모든 사람들이 함께 개봉 후에 판매하게 됩니다. On partage toujours. Ah ouais, c'est vrai. Oh, oui. Ah ouais. C'est surtout au grattage. Ah ouais. Ouais. Waouh, il y a des belles tailles. "종이"라는 클래식한 방법으로 문을 여는 트러플 시장은 대부분 사람들이 가족 혹은 친구들과 조금 특별한 식사를 위해서 트러플을 많이 구매한다고 합니다. 37 là, il y a 37 dans les 43 grammes. Merci. Vous 지금은 랑구독 지방에서 먹는 트러플 요리인 브리아드를 만드는 곳을 찾아가고 있는데요.
Bonjour, enchanté. La brouillade, c'est ce qu'on va passer avec le Covid, on ne fait que des trucs à emporter. Ah, d'accord. Donc, il y a une... C'est qu'est-ce que c'est, ça, celui-là? Oui. C'est la brouillade avec les œufs. Ah, voilà. Et après, on rajoute les truffes, là. Ah. Ah. Merde, j'ai oublié de t'amener le... C'est pour faire pour une cinquantaine. Cinquantaine de personnes. Oui. Oui. Ah. Et mets là-dedans, dans un seau, avec des truffes, c'est calcaire. L'odeur, elle rentre. Ah. C'est pour eux, les œufs. Et on rajoute les truffes oui. quand c'est cuit. Ah, pour qu'ils aient une particulière, c'est ça? Oui. Ça, c'est le truc frappé, ça. Tu peux sentir l'odeur? Oui, oui. L'odeur? Oui, oui. Waouh. Ça sent, hein? Wow. Ça sent super bon. Waouh, wow. 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 트러프 오믈렛인 보리아드를 만들어서 이렇게 포개 담아서 판다고 합니다. 저는 조금 이따 식당 가서 맛을 보게 될 것 같네요. 아, 왜? Faut les trouver en plus. 조금 전에 시장님을 만났는데 트러플 전문 식당에 초대를 해주셨거든요. 과연 이 지역의 요리는 어떤 맛일지 엄청 기대가 되고 있습니다. Du gros gazon, c'est du minerval. Non, après, elle est bien, elle est bien. Elle disait tout à l'heure, elle disait à Mag, tu veux un coup de main? Elle t'a sorti. Mais Mag, ça te plaît?오늘 먹는 트러플 요리는 늙은 호박의 생크림 부은 프랑스식 호박 수프에 정말 아끼지 않고 트러플을 부은 트러플 호박 수프이 나왔고요. En tahitien, c'est tamamété. En tahitien. Appétite. Vous voulez taper petite. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment ça. Très bon goût de. C'est très bon. Hein. Parce que j'ai vu que tu te filmais, c'est pour ça que je te prends un grand temps. Je te prends un grand temps. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas bon. Ah, voilà, quand je sors, on va te dire. Ça, c'est. Trop de gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se드디어 메인이 나왔는데요. 메인은 수비드로 잘 익힌 송아지 고기에 트러플이 잔뜩 들어간 크림 후추 소스를 곁들인 프랑스에서는 음식 간의 어울림을 마리아주라고 궁합이라고 표현을 하는데요. 바닐라 아이스크림과 이 트러플의 궁합이 너무 좋은데요.
서로 향을 죽이지도 않고 서로가 향이 서로의 향이 이렇게 더 돋보이는 그런 환상적인 맛이 납니다. La truffe a toujours existé. La truffe sur un territoire comme ici, comme sur ce département de l'Aude, elle a toujours existé. Mais elle n'avait aucune valeur symbolique, elle ne se vendait pas. Mm-hmm. Des fois, ça nourrissait les cochons. Ouais, ouais, je veux. Et qui s'appelle, chez nous, on nous appelle la truffe chinoise. Mm. Elle est exactement comme celle-là. Ouais. Mais c'est elle pas n'a même pas goût. Du tout d'arôme. C'est là où on est très prudent. Ouais. Et on a eu trouvé plusieurs adhérents qu'on a mis, on leur a enlevé la carte, parce qu'ils mettent là un jeu. D'accord. Pour plus de poids Pas plus de poids, c'est que 50 euros le kilo, ils passent à 1000 euros le kilo en le mettant avec cela. Et comme cela, elles ont beaucoup de parfums, vous les avez sentis. Ouais. Elles ont beaucoup de parfums, dedans ça ne se voit pas. Non. Et comme c'est les mêmes, la personne qui croit acheter une bonne truffe, mais en arrivant chez eux, il n'y a plus d'arôme parce que c'est parti. Ah, elle n'en a pas. Et d'accord. Ça, on y fait la chasse. D'accord. Voilà pourquoi on fait des contrôles. Donc, il y a beaucoup d'arnaqués dans le marché. Ça arrive. Okay. Nous, on a eu un espace, lui, des transformateurs de l'Aude. Mm-hmm. D'accord, ils sont plusieurs. Ils font plusieurs produits. Ils font du sel à la truffe, donc sel de Gruissant, qui est une commune qui est dans l'Aude, en bordure de mer Méditerranée. Qui fait de la fleur de sel. Fleur de sel, de truffe. Tous ces autres pots comme ça, c'est carrément de la truffe stérilisée, de la véritable Thiobert Mélanosporum ou Estivum. Le pot, il dure, mettons, 3, 4 ou 5 ans. La bonne huile truffée, et là, ça fait partir encore des produits, on va dire, d'excellence. Ouais. La bonne huile truffée se fait avec de la truffe, parce qu'on arrivera après aux produits naturels dont vous me parlez. Si vous le faites, vous pouvez avec une huile d'olive. Ouais. Le problème, c'est qu'il vous faudra la conserver au frigo, ça c'est pas un problème, mais au bout d'un certain temps, cette truffe va se désintégrer, va donner d'autres arômes. Ah. Donc il faut l'enlever. Ça veut dire que l'huile, mais ça a une durée de vie. Ah bon? Et ouais, c'est. Et nous avons d'autres huiles faites avec des arômes. Oui, celui-là, c'est artificiel. Artificiel. Oui. Et. Là aussi, quand je vous parle de la Tuberminiatum, qui est une truffe aillée, l'Italien a éduqué tous les Européens, voire plus, avec cette odeur d'ail. C'est très facile à reproduire. Celle-là, elle dure longtemps, mais il n'y a rien du tout de la truffe. On est sur un autre produit. C'est là où du tout à fait naturel est les produits truffes. Et là-bas, vous avez des produits où il n'y a que le nom de la truffe, mais il n'y a aucune truffe. Non, dedans. C'est pas naturel. C'est carrément, c'est de la fabrication. Oui, c'est ça. C'est là. Il sortait de le parfum par le pétrole, etc. Et voilà. C'est ce que. Généralement, ils sont moins chers. Les autres sont quand même plus chers de produits. Mais là, c'est vraiment des produits haut de gamme. Ok. Voilà. Le distinguo aussi dans les produits.